Bonjour et salut à tous pour une autre vidéo du sudoku de niveau diabolique. Aujourd'hui, je fais un sudoku avec le minimum d'indices, 17 indices. Et te voici. Voilà. Vous voyez, il y a 17 indices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 17 indices. C'est le minimum d'indices par avoir dans un sudoku. 9 par 9. Je vais essayer de l'avoir sur Tansda, mais je ne sais pas si ça va être faisable. C'est un candidat. Bon, moi, je commence par la région du centre. Le 7. Ça donne 5 et un 7. C'est la ligne 5 et un 7. Non, le 7 va ici. C'est la seule case restante. Même chose dans la région 9, 7, le 8. Ça donne 7 et 8 et un 8. C'est la ligne 8 et un 8. Non, le 8 va ici. C'est la seule place pour aller. Bon, même chose dans la région 9, le 7. Il est présent sur la 8e ligne et sur la 7e colonne, ici, là. 7e colonne, 8e ligne. Donc, le 7 va ici. Va ici. Ces deux tasses-là, celle-là puis celle-là, c'est 6 puis 8. Puis on donne bien la ligne 5. Il manque 2, 4, 5 de cette tasse-là, puis cette tasse-là. Parce qu'il y a déjà 2, 4, 5 qui bloquent ces trois tasses-là de la ligne. Dans ces 2, 4, 5-là, 5, oh, 5 va ici. Puis ça, c'est 2, 4, 2, 4-là. Bon. Pensez que le 2 va là ou là. Dans le 2, c'est la deuxième rangée. Puis la colonne 6, ici, là. Il va là ou là, le 2. Puis du même tour, en donnant la... Non, ça ne débloque pas. Ça peut débloquer un chiffre. Bon, en donnant la 7e région, plus le 5. Il doit avoir un 5, ici. Colonne 2 et 3, déjà un 5. Donc, il doit être dans la colonne 1, là ou là. Parce que dans la 7e rangée, le 5 est là. Alors, le 5 va ici. Même dans la région 8, on peut trouver le 5. Il est présent sur la rangée 7 et 9. Et ça te donne 4 ici. Alors, le 5 va ici. Je trouve un autre 5 dans la région 2. Déjà présent sur la deuxième rangée. Quatrième colonne et sixième colonne. Dans le 5 va ici. Et, du même tout, ça permet de trouver l'avant-dernier 5 dans la région 3. C'est d'abord la rangée 2 et 3, il y a un 5. Donc, ça élimine ces trois tasses-là puis ces trois tasses-là. Soit il va dans les deux tasses de la première rangée, mais dans la colonne 9, il y a un 5. Donc, il va ici. J'ai dû bientôt mettre le dernier 5 dans la région 6. Le 5 déjà, c'est la 4e rangée et 5e rangée. Il est aussi présent sur la 8e et 9e colonne. Donc, le 5 va ici. Bon, même tout dans la région 2. Il y a un 2. Présent, c'est la deuxième rangée. Ça élimine ces trois-là. Et présent, c'est la colonne 6. Ça élimine ces trois tasses-là. Le 2 va ici. On peut compléter la région 3 avec le 2. Mais pas compléter avec les chiffres. Mais on peut mettre le 2 dans la région 3. C'est dans la région 2 et 3. Vous voyez, la région 2 et 3. Non, je parle de la rangée 2 et 3. C'est dans la rangée 2, ici, un 2, ça bloque ces trois-là. Rangée 3, le 2 est là, ça bloque ces 3-là. Le 2 va en haut. Et la région 6. Il doit avoir un 2. Quatrième rangée, il y a un 2, ça bloque ces 3 tasses-là. La 9e colonne, il y a un 2. Donc, ça bloque ces 2-là. Donc, le 2 va ici. Et du même tout, on trouve le 2 dans la région 4. Quatrième rangée, il y a un 2, puis sixième rangée, il y a un 2. Voilà. Puis du même tout dans cette tasse-là, là, j'avais dit 2, 4, 5. Ouais, j'avais dit 2, 4, 5, il y a déjà un 2 puis un 5 ici. Donc le 4 va ici. Parce qu'il est éliminé ici, le 4. Là. Puis du même tout, ça permet de mettre un 7 dans la région 2. Dans le 5 ici, ça a déjà un 7. Donc le 7 va ici. Bon, région 4.
Il doit avoir son tac, lui, cette région-là. Bon, dedans la sixième rangée, il y a un tac. La colonne 2, il y a un tac. Dans le tac, va ici. Est-ce que ça débloque? Ça a l'air que oui, parce que dedans le 7, la région 4, il doit avoir un 7. Il est déjà présent dans la sixième rangée ici, là. Dans le 7, va ici. Bon, région 6. Il doit avoir un 3. Le 3 est présent, c'est la quatrième rangée. Donc, ça élimine ces trois tasses-là pour le 3. Donc, le 3 va ici. Puis ça, c'est la rangée 6. On peut les jouer ici. Ça date bien, là. 2, 3, 4, 5, 7. Ça date la région. 2, 3, 4, 5, 7, c'est 6. Le 6 va dans ce sens-là parce qu'il est déjà éliminé dans ces trois-là. De la rangée 6. Le 6 va pas là. Il va pas dans ces trois-là. Donc, le 6 va ici. Puis du même tout, dedans la quatrième rangée, le 8. Le 8 ne peut pas aller dans ces trois tasses-là parce que c'est déjà dans la région. Donc, le 8 va ici. Bon, là, je vais regarder comme il faut, là. Région 7. Le 7. Présent, c'est la sixième. Dans le 7 de la région 7, là, le 7 est présent, c'est la 7e rangée et 8e rangée. Ça élimine ces tasses-là et ces tasses-là. Il est présent, c'est la 2e colonne, donc le 7 va ici. Dans la première rangée en haut, il doit avoir un 7. Le 7 est présent dans la région, donc il ne peut pas aller là. La région 2, il y a un 7, il ne peut pas aller là. Colonne 2 et 3, il y a déjà un 7, il ne va pas là ni là. Le 7 va ici. Bon, région 3. Il doit avoir un 7. Colonne 7 et 8, il y a un 7. Clic. La deuxième rangée, il y a un 7. Donc, le 7 va ici. Bon, là, je donne la région 6. Il manque le 1, le 6 et le 9. Je peux rien faire. Région 5, 1, 3, 9. Je peux pas. Région 4, 1, 8, 9. Je peux pas rien faire là non plus. La première rangée, il manque le 4, le 6, le 9. Oui, regardant cette tasse-là, là, il manque 4, 6, 9 dans la ligne, hein, dans la première ligne. Ben, il y a déjà un 4 puis un 6. Puis c'est le 9. Donc, le 9 n'était même pas mis nulle part. Les indices étaient jaunes. Les chiffres sont jaunes sur les indices. Puis il n'y avait pas de 9 dans la grille. Donc, le 9 va ici. Du même tout, cette tasse-là, il manque 4 et 6. Il y a déjà un 4. C'est ici, là, dans la colonne. Donc, c'est 6. Le 4 va là pour t'embêter la rangée. Bon. On va regarder, parce que moi, je vois tous des chiffres à mettre. C'est dans la région 8, ici. Le 4, il doit avoir un 4. Le chiffre 4 est déjà présent, le chiffre 4 dans la colonne 4 et 6. Les présents, c'est la septième rangée. Dans le 4 va ici, dans la région 8. Ouais. Faut garder la région 8. Le 2. Le Dalbin est dans la colonne 4 et 6, c'est déjà un 2. Là, tu sais, tu vas dans la colonne 5 que t'as part. Donc, il va ici. Même dans la région 7, on peut trouver un 2. Il est présent sur la colonne 2. Ça élimine cette tasse-là. Puis il est présent sur la rangée 7. Ça élimine ces deux-là. Donc le 2 va ici. Du même temps, on peut trouver le 2 dans la région 9. Parce que c'est déjà présent sur la 7e et 8e rangée. Il va dans cette région-là. En bas là. Le 2 va là. Bon, colonne
La cinquième colonne ici. Il manque le 1 et le 9. Dans ce d'Albert, la région 2, il y a déjà un 1 ici. Donc, c'est le 9. Donc, c'était la septième colonne. Il manque un chiffre manquant, c'est le 1. On peut mettre le 1 dans la région 8. Présent, c'est la quatrième colonne et la rangée 9. Rangée 9 est déjà un colonne. Rangée 9 est déjà un 1, ça bloque ces deux tasses-là. Puis sa colonne 4 est déjà un 1, ça bloque ces deux tasses-là. Donc, le 1, il va dans cette tasse-là de la région 8. Région 7, on peut trouver le 1 facilement. Rangée 7 et 9 est déjà un 1. Donc, le 1 va là. Bon. Bon, ici. Il manque le 3 et le 9. On peut rien faire avec les cimentes en haut. 6 puis 8. Alors, dans la région 7, là, il y a un 8. Non, ça, c'est la région 7. C'est la région 8, je voulais dire. Je voulais dire la région 8, il y a un 8 qui se place. Bon, dans le 8, c'est la rangée 8 et rangée 9. Il y a déjà un 8. Ploc, ploc, ploc. Donc, le 8 va ici. Bon, la région 7. Il manque un 3, un 6 puis un 9. Ça, d'abord, la colonne 3 ici. Il faut qu'il y ait un 3, 6, 9. Mais il y a déjà 6, 9 présents ici. Là. 6 là, 9 là. Là, on sait que c'est le 3. Sur la région 7, il manque 6 puis 9. En donnant la colonne 2, il y a déjà un 6. Donc, le 6 va ici. Et pour placer le 9 dans la région 7, qui manque, c'est le dernier chiffre. Bon, région 8, il y a toi un 9 présent. Il manque un 9 à mettre. Là. En donnant la 9e rangée, il y a un 9 qui bloque ces deux-là. Le 9 va ici. Il dit, mais tout, on peut trouver le dernier chiffre de la 7e rangée. C'est le 9. Oui, parce que le 9 n'était pas mis partout dans la grille. Bon, région 3. Il faut trouver un 9. Il y a un 9, c'est la 2e rangée et la colonne 7. Ça bloque cette tasse-là et cette tasse-là. Le 9 va ici. Même tout, ça permet de mettre le 9 dans cette tasse-là de la région 6, parce que c'est déjà présent sur la colonne 7 et 8. Est-ce que je peux trouver d'autres 9? Oui, je peux trouver d'autres 9. On va aller à la région 4. Le 9 va dans cette tasse-là parce que c'est déjà présent sur la colonne 2 et 3. C'est la seule place possible. Bon, il manque 3 dans la région 4, là. Il manque le 1 puis le 8. Il y a un 1 présent sur la colonne 2. Là, on sait que c'est le 8 qui va ici dans cette tasse-là. Le 1 à côté du 8. Et je peux trouver deux derniers chiffres de la colonne, là. En donnant la 2e colonne, il manque un chiffre. C'est le 3. Colonne 3 aussi, il manque un chiffre. C'est le 8. Ah ouais, il y a tous les chiffres à part le 8. Bon, région 2. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque 6 puis 8 ici. Il y a 8 présent, donc ça bloque ça. Donc, c'est le 8 qui va ici. Puis le dernier chiffre dans la région 2, c'est le 6. Voilà. Bon, colonne, si colonne 9, il manque le 1 et le 6. Il y a un présent, donc ça élimine cette tasse-là. Donc, le 1 va ici. Puis le dernier chiffre, c'est la colonne 9. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 6. Bon, ici, je fais qu'est-ce que je peux déduire ici, là? Oui, la région 5. J'avais dit qu'il manquait 3 et 9. Dans la colonne 4, il y a déjà un 9. Qui bloque cette tasse-là. Donc, c'est le 3 qui va là. Le dernier chiffre de la région 5, c'est le 9. Parce que tous les chiffres sont là, à part le 9. Bon, région 7. Il manque le 6 et le 3. Là, le 3 est présent sur la colonne 4. Ça bloque ça. Donc, le 3 va dans cette tasse-là. Le dernier chiffre à mettre, c'est le 6. Bon, je vais regarder la colonne ici. Pas la colonne. Je vais dire la région 1 ici, là. Bon, je confonds avec les colonnes région ligne. Bon, région 1, il manque le 1 puis le 4. Le 4 et le 1.
Bon, le 1 est présent sur la deuxième rangée, ça élimine cet ordre-là. Donc, c'est le 4. Pour compléter la région 1, c'est le 1. Bon, ici, il y avait autre chiffre demi dans la troisième colonne. J'ai oublié de le préciser au début. Sa troisième, non, pas troisième colonne, sa troisième rangée avait autre chiffre demi, pantoute au début de la grille. Colonne, c'est dos en bas, hein. Il faut que je dise ligne. La troisième ligne, il y a autre chiffre demi. Pas de 1 à 9, pantoute. Là, j'ai vu qu'il manque un chiffre, c'est le 4. Le 4, dernier chiffre de la troisième ligne. Il y avait autre chiffre demi. Bon. Bon, région 6. Le 1 et le 6 m'entendent. Bon, le 1 est présent sur la colonne 8. C'est 6. Le dernier chiffre, c'est le 1. Bon, en même temps, j'ai mis 6. Région 3. 3 puis 6 m'entendent. Donc, si le 6 est là, donc ça ne peut pas être le 6, c'est le 3. Le 6 va ici. Et je vais l'avoir sans tasse là. Là, il manque 3 puis 4 dans la région 9, là. Là, il y a déjà un 4 là, on sait que c'est le 3. Puis le dernier chiffre à mettre pour compléter la grille, c'est le 4. Et voici la solution de la grille de niveau diabolique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais vous retrouver dans quelques jours pour d'autres vidéos. Bonne journée à tous.